revoit Stéphane. Ah bah t'es où? Voilà, ouais. On arrive, comme on dit, au terme de cette soirée. Alors, ouais. Il va y avoir encore un gros numéro, puis le final, le gâteau, les paillettes, c'est la fête, voilà, tout d'accord. Ça. Et puis après, bah, c'est fini, c'est terminé, c'est générique. Et qu'est-ce qui se passe après? Rien. Ah bah après, sur, je sais pas, sur France 4, c'est certainement un programme. Non, parce que sur France 4, il y a une grosse merde, c'est l'état d'alerte. Hein. Et sur la TSR, c'est pire, c'est dommage collatéral, c'est une grosse merde aussi. Donc qu'est-ce que vont devenir les gens? Ah oui, non, c'est... Enfin, la première est plus light, hein, c'est une merde light. Non, c'est deux grosses merdes. C'est deux grosses merdes, d'accord. Bah, oui, peut-être aller sur France 2. Ah bah oui. Parce qu'il y a On n'est pas couché qui va démarrer dans 2-3 minutes. Ah oui, j'aime bien cette émission. En revanche, le mec qui se déguise là, avec les invités, moi, j'accroche pas du tout. Là, c'est vraiment pas bon, c'est pas, ça marche pas, c'est artificiel, c'est pas... Ouais, ah, c'est pas bien. Voilà. Ça peut-être que ça te passe un peu... Alors c'est drôle parce que moi j'ai un ami qui travaille sur cette émission, que je connais bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mmh. Et il m'a dit que ce soir parmi les invités, il y avait un humoriste. Tu sais ce type très noir là, qui attaque toujours, c'est très bas, c'est... il a fait un scandale avec Strauss-Kahn, il a une barbe dans le bas du visage. Je vois pas. Mais vraiment c'est gratos, c'est pas drôle. C'est... Oui, c'est gratuit, d'autant plus que Dominique Strauss-Kahn, il bouge pas une oreille, hein, jamais. Ah non, c'est Anne Sinclair, Anne Sinclair. Jure que par ça, quoi. C'est... Ouais. Bon. Et tu l'aimes vraiment pas le mec qui se déguise? Non. Non. J'aime. D'accord. Ah, dis donc, on a le ministre de la Culture, Jacques Lang, qui arrive là. Non, c'est Frédéric Mitterrand, le ministre. Frédéric qui? Frédéric Mitterrand, c'est le ministre de la Culture. Ah non, 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 ça sera Jacques Lang à vie chez nous, le ministre de la Culture. Oh mon Dieu, la guille. À vie. Mais oui, mais oui.